Y'a personne? Y'a quelqu'un? Vous êtes habillé. On aurait pu faire des. Ça, c'est le spectacle qu'on aurait dû faire, comment ça s'appelle? Les alpinistes. Et vous avez pas trouvé mes chaussures de volcan? Ah, mais moi j'ai. Mes clés. Regarde, il n'y en a pas un autre. C'est vrai, ça la polaire, la polaire, une polaire. Hein. Je prends quoi en polaire, moi XL? On va penser à descendre ça parce qu'un là il conduit comme un. Il conduit un peu violemment. Et toi, t'as quoi comme chaussure, Kiki? Non, tu veux pas ça. Mais... Et Alain, il en a des chaussures de. Toujours plus beau avec mon gel. Pourquoi tu mets du gel? Moi, j'en mets pas. Hein. Je me suis lavé les cheveux. Ça te va bien le gel, toi? Non, je me suis lavé les cheveux, c'est vrai. Tu l'as vu sur la vidéo? Ah, mais non, tu l'as vu en direct. Tu l'as vu en direct. Tu l'as vu en direct. Elle m'a pas trouvé terrible les cheveux en avant. Deuxième partie de spectacle, pas trop. Moi, je trouvais que ça lui allait bien quand même. Il faut pas mouiller, il faudrait qu'il pleuve moins. Moi, franchement. Et pour. C'est vrai qu'il faudrait que tu aies dans. Ça pourrait marcher quand tu fais le mec là-haut. Tu sais, dans la montagne. Ouais. Tu aurais la même coupe. Ça tirait bien, hein, c'est vrai. Mais. Là, c'est pas beau comme ça. J'ai une paire de chaussettes. Hein. Tout de suite, on est mis en valeur. Mais tu les as retrouvées, tes chaussures? Hein? Mais non, c'est pas celle des volcans, ça. Bah, elles sont dans la caisse noire, non? Et c'est quelle, celle-là, là, que tu mets? Bah, tu sais, je fais beaucoup de marches. C'est pour ça que c'est pour ça que je comprends pas. Tu en as plusieurs. Ouais, je veux dire qu'en marche. Et on se gare où là? On se retrouve où? C'est du salon. Moi ça fait ressortir mes cuisses et mes mollets. Par contre, je sais pas ce que ça fait ressortir là. Tu l'as mis en or. Ça fait ressortir quoi là? C'est pas mal hein. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai mis un caleçon fin pour pas qu'on voit dessous. Moi c'est caleçon avec poutre apparente. Il est pas prêt lui. Alain, tu fais quoi? Faut descendre la main. Faut te laisser un XXL Triple. Ouais, faut t'acheter les chaussures. Allez, non pas les chaussures mais là. Ah oui. On y va. Et ce qu'on fait nous? Il était en XL. Il faut Alain, toi tu rentreras, nous on sera déjà sur place, on t'attendra. Pourquoi t'as vu d'avant? T'attendais à l'entrée? Passe-moi le parapluie. Il est où là? Il est où toi? On n'a pas besoin de lunettes. On a besoin de lunettes là pour travailler pour. Ouais. Non, bah, non, moi je. Si elle doit lire, il n'y a que moi qui peux lire. Elle a la cuisse. T'as bronzé toi? Ouais, tu vas mettre. Tu vas mettre un short bientôt. Ah, le v'là, le v'là. Moi, il y a sa fille. Mais pourquoi tu l'as pas brillant toi? Parce que moi, c'est celui de Saint-Loup. Faut pas oublier de le remettre. Ça, on les a achetés exprès, je pense. Mais non, ceux-là, ils sont molletonnés, ceux-là. Tu as pas piqué à la branche du pain, là. Ça, ceux-là, ils sont. Ah non, ceux-là, c'est les moins bien. Ouais. Ceux-là, ils sont molletonnés, ils sont bien, ça. C'est molletonné. J'ai rien, sur le feu, là. T'as pas gardé ton jean? Arrête de me toucher, là. J'ai pas vu le bout de sa fille, là. Et qu'est-ce que tu veux? Et le matos, là? Hein? Le matos? Ouais. Tu l'abîmes pas, s'il te plaît? Non, parce que si jamais il faisait chaud, on était en noir dessous. Il y avait le problème de la frangipane, c'est le déséquilibre intellectuel. On n'est pas tout en même temps. On y va. Attends, c'est dans quel sens? Mais bon match, hein. Rémi, tu te trompes pas. Collègue, à bientôt. On fait Jean-Paul, Jean-Louis, Jean-Claude et Jean-Jacques. Ouais. Moi, je suis qui? C'était toi. Toi, t'es Jean-Paul? Ah oui, c'est toi, t'es Jean-Paul. Jean-Jacques?
Salut Jean-Claude. Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Paul. Jean-Pierre. Jean-Paul. Ça va Jean-Paul? Jean-Louis. Jean-Jacques. Salut Jean-Philippe. Je suis pas Jean-Philippe. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre. Et si on l'a porté comme ça? Mais elle ne déconne pas! J'ai l'épaule est fragile là quand même! Si on l'a porté. Bonjour! Stop. Est-ce qu'on a la petite portée? Mais t'as pas dit portée aussi. Ouais, mais tu portais. 3, 4 portées parce que tu as 4 portées. D'accord. 3, 4. On a déjà deux emplacements réservés. Ouais. On va voir si on trouve un troisième. On cherche le meilleur. D'accord. Quel est le voilà, quel est le message que la Frangipane veut faire passer cet après-midi? Alors on les attend à la régie juste derrière le podium. Ok la Frangipane. Ah, ah.
Envoyé par le conseil général. Vous êtes au courant. Ensuite, dans un moment, avec mes collègues, nous allons faire une démonstration de la PLS. Ça fait penser à le risque majeur n'existe pas, même le risque majeur est potentiellement plausible. On l'a vu cette année à deux ou trois reprises. Hein. À la future mère, allez vous en parler, on a travaillé la semaine dernière. Parce que justement, suite à tous ces événements, il vaut mieux qu'on commence à prévenir. Donc là, vous savez ce qu'on fait, bien sûr. Vous partez vite. Alors, il y a cette solution. Oui. Le mieux, je crois que c'est de partir assez vite. C'est-à-dire, imaginez là que ça éclate. Tu te rends compte que le tsunami en France. Ah, alors, c'est bon. Là, ils ont un peu inverti. Le risque majeur, c'est pas normal un lapin gros comme ça. Ça c'est pas normal du tout. La vague qui a touché nous. Un jour avant la catastrophe, vous aurez pu réagir. Donc là, nous on n'est pas au bord de la mer, bien sûr, hein, mais c'est notre altitude. Hein. Et nous, le risque majeur ici, c'est l'éruption volcanique. On ne peut pas croire qu'il est éteint. Le jour où il se réveille, alors là on va faire une démonstration dans un moment sur la PLS, la position latérale de secteur spécial. Avec tout centre social, il y a un risque. Mineur, mais bon, on a tous les gens remettre en route la mémoire. PLS par exemple. Oui. Ah, oui. Elle dit ça, j'en ai entendu parler, c'est quoi la Carrefour, une promotion quelconque. Oui, non. PLS, c'est une limite de consommation. Prévention. La vie ne fait une fois que vous avez prévenu, de manière c'est plus la peine que vous restiez. Ah ben voilà. Aucun intérêt. C'est le principe de la prévention. Je vais reprendre l'autre club, monsieur. Très attentif. Madame. Intervention de sécurité, parce qu'on est là pour faire de la formation, de l'information. On n'a rien à voir. Pour savoir et reconnaître. Et vous payez rien. Lui, c'est la formation et vous faites la prévention. C'est un peu les deux, c'est le frangistique. Va faire de l'information. Mesdames, Messieurs, la séance de démonstration de PLS va commencer. Mes collègues et moi-même avons l'honneur de vous informer aux gestes qui servent. Alors, comme ça, il y a madame qui n'a absolument pas. On a dit qu'on faisait du coup bronze. Ça va mieux, ça va mieux. C'est quoi le bronze? On est ok. 4. Et oh. Voilà la frangismique. La frangismique anti-panique, c'est fantastique. Et oh, les rois de la PLS, on est des as, elle est à l'aise, la frangismique. Allez, position. Madame, écoutez bien, je sais que vous ne savez pas. Alors, on va imaginer un blessé. Un blessé. Voilà. Alors, monsieur est blessé. Monsieur est blessé. Alors, on vérifie toujours s'il respire, madame. Monsieur est blessé. Alors, est-ce qu'il respire? Vous regardez à peu près. Hein. Il est inanimé, il s'est passé quelque chose. Pour le mettre absolument en position PLS. Alors, comment faire? Bien sûr, personne ne sait. On va faire une démonstration. La personne est couchée sur le ventre, il faut la mettre sur le dos. Alors, le mieux c'est de la mettre sur le dos, hein. Voilà, la personne est toujours blessée, elle est sur le dos. Alors, bien sûr, pour mettre en position, si le blessé a les jambes croisées, vous décroisez. Important, mesdames et messieurs, le geste est plutôt de décroiser les jambes. Hein. Voilà. Pas qu'il est froid. Geste qui saute. Donc c'est très bien, vous mettez la main gauche, vous la mettez gauche. Alors, vous prenez
serrez comme ceci, vous mettez la main ici, la personne peut faire 100 kg, comme c'est le cas ici, 110 kg. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une démonstration. Eh bien, le mieux c'est de faire une démonstration avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un voudrait bien? On va prendre une, peut-être madame. Madame est intéressante. Blessée. Le geste qu'ils sauvent, on le fait une deuxième fois parce que la première était un peu maladroite. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis professionnel dans ce métier. Il n'y a aucun risque. Alors, on va refaire l'opération. Un inanimé. Si elle ne respire pas, ça peut le... Alors, il y a le bouche à bouche, on verra ça à un autre moment. Ah bon? Alors, vous faites la même chose, vous mettez le bras comme ceci, vous levez la jambe gauche, vous la repliez, et très bien. Et est-ce que quelqu'un veut le faire, peut-être? Non, c'est... Très bien. Ah, mais le public est là. Oui, mais c'est toujours du côté gauche qu'il faut faire. Pour le cœur. Voilà, c'est la prévention, ok? C'est un samedi. Ouais, mais nous, c'est une technique australienne. On va tourner, pour le spectateur, on va pas les faire changer. Le cœur, hein, le cœur est là. Tourne pour le spectateur. On va tourner, madame. Je vous sais que j'ai levé. On fait comme ça, déjà. Alors, on met la main. D'accord. Écoutez, on n'entend pas là ce qu'elle dit. Le bras 90 degrés. Mesdames et messieurs. 90 degrés. Ensuite, à 90 degrés. Ça va, madame? Explique, parce qu'il faut expliquer. On tient la main sur le ceci. On laisse respirer, dit-elle. Elle remonte la jambe, la tombe et le fait. Madame! Attention, c'est comme ceci. Là, et on regarde. Elle respire plus. Normalement, c'est plus grave. Voilà, c'est très bien. Alors, l'étape suivante. Je sais, c'est bien. Ça va, madame? Bravo, on peut le faire. C'est une intervention. Parce que j'avais oublié de quelques coups qui le cœur. Ça a bougé, non? Je l'ai passé de l'autre côté, non? Attends, on va applaudir votre prénom. On va repartir. Repas. Jingle. Jingle de fin. Jingle de fin. Plus grand but de soirée. Jingle de fin. 3. Et jingle de fin. Voilà la frangismique, la frangismique anti-panique, c'est fantastique. Léo, les rois de la PLS, on est des assassins, des talents de frangismique. Merci mesdames et messieurs, c'est faire partie, jingle. Allez. Et on n'a pas la balayette parce que là on a sali un peu. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, allez, reviens là, non, Jean-Pierre. On est envoyé par le Conseil général du Cantal pour faire de la prévention et habituer les gens à être en école chapelle. On y va ? Le risque majeur est la décision de la CERA. On avance. On avait 2 mois de retard. Mais là, on est envoyé par le Conseil général. 2 mois de retard. On est une association privée. On est en juin. Je fais celui-là et après on va là-bas. Oui, on est. Robert, tu veux pas l'aller à la balance? C'est pas marqué. Oh, c'est pas marqué Jean-Jacques là. Moi j'ai mal au bras. Jean-Jacques, moi j'ai mal au bras. Attention. 3, 4, 2.
On va au parapluie. Non, On a dit qu'on devait en couple, être en couple. Et aller en toilette, aux toilettes, hein. Ah ouais, c'est j'ai fait un tour. Et toi, tu vas prendre. Allez, on y va. En escadrille. C'est pas bon de rester avec la vessie pleine. Hein. Oh, vous êtes prêts ? On est pas prêts. Waouh, waouh. On n'est pas. On n'est pas au garde du corps. Non, on n'est pas au garde du corps, mais ça fait rien. On répète un peu. N'hésitez pas une seconde, on est là pour ça. Nous on ne vend rien aujourd'hui. C'est de l'information. Voilà. Pour savoir ça. Hein. Ah oui, mais je vous laisse. Tu vois qu'on s'est déjà vu. Mais là, toi, maintenant, on est. Oh, bleu. Attention. Jingle. Attention. Jingle. Attention. Il n'y a pas de monde là. Ça va, il n'y a pas de monde. Allez. 3, 3. Oh. Attends. Toi, mais toi là. En plus, ça descend. Eh oh, voilà la frangismique. La frangismique antipathique, c'est fantastique. Eh oh, les rois de la PLS, on est des as, elle est à l'aise, la frangismique. La position latérale de sécurité qu'on appelle la PLS. Nous avons un accidenté. Bientôt. Non, mademoiselle, vous allez vous faire écraser. Écartez-vous. Un accidenté. Attention, c'est pas possible. Suite à une éruption volcanique, un tsunami, quelque chose comme ça. Alors, ce monsieur respire, mais il faut le mettre en sécurité, donc en position latérale. Madame, écoutez bien. Alors, bien sûr, la personne, il faut absolument la retourner. Alors. Alors si la personne est lourde, faites ce que vous pouvez. Voilà, si elle peut vous aider, c'est bien. La personne est latérale. Alors, vous regardez où est le cœur. Toujours. Toujours de côté, hein, le cœur. Et vous le mettez comme cela.
Ensuite, vous prenez son autre bras. En général, la personne a deux bras. Celle-ci, comme ça, tout simplement. Et la personne peut faire 110 kilos comme c'est le cas aujourd'hui. 108. Vous allez pouvoir la basculer sur le côté. Le fait de pousser comme ça. Alors, la personne est maintenant à terre, ce qui est plus commode. Ok, tu peux te relever. Pour l'exercice, on va quand même se remettre en position blessée. Sur le dos, ça sera plus facile. Allez, allez-y, sur le dos. Hein. Voilà. La personne est blessée. Et on va demander à quelqu'un de pouvoir refaire l'exercice, voir si ça marche bien. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un ? Vous avez quelqu'un ? Ah, madame, je vous serai attentive. Vous allez voir, c'est très facile. Madame. Écoutez bien. N'oubliez pas de mettre, hein, si la personne respire. Alors, la personne ne respire plus. Il faut absolument d'abord faire un bouche à bouche. Je vous laisse. Vous ne pouvez pas faire le bouche à bouche. Tu vois ? Non, c'est pas terrible. Est-ce que vous pouvez faire la position latérale de sécurité ? Allez-y, mettez un bras comme ça. Mais sans le faire tomber, hein. Sécurité, sécurité. Voilà. Je vous garantis. Il y a quand même 120 kilos là. 110 kilos. Ouais. Bravo. Bien tapé, bien tapé. 108. Alors on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Très fort. Bravo. Alors, n'hésitez pas à participer à la table ronde. Nous sommes là. Voilà. Bon, très bien, table ronde finie. Jingle. Jingle. Voilà la franchise. La franchise, quand tu valides, c'est fantastique. Les rois de PLS. On est des gars, ça va être à l'aise de prendre ici. Un jour ça va mal finir. Très bien. Un jour, mais t'en fous. Tu la ramènes pas. Tu n'as rien à dire. Merde. Il n'y a pas trop de bordel. J'essaye de mettre un petit truc là. Ça va. Qu'est-ce que je veux? On y va ? Alors, quand tu veux. Et moi, je vais me barrer. Oh, te barrer là, tu veux commander, tu commandes jusqu'au bout, hein. Et à chaque fois, c'est pareil, merde. On y va ? Oui, c'est bon. Tu vas ? Je préfère me barrer. Je te barre pas, tu veux commander, viens commander. Fais gaffe parce que. Ça va mal. On y va ? Ça va mal finir. Moi, j'ai rien dit, c'est bien, toi. On y va ? Oui, c'est bon, toi. Allez, va faire un peu plus loin. On fait la ronde. On y va. Allez, écoute. Non, c'est moi qui donne les ordres.
Et vous avez vu comment c'est moi. Alors, ça c'est sûr. Alors on y va là. Les enfants, on va y aller, on y va là. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui là? Qu'est-ce que tu veux faire avec lui là? Il est énervé, tu l'as énervé, c'est normal. Eh putain, ça fait pas intelligent dans l'équipe. Hey, oh, allez, remets-toi comme il faut. Tiens, hé hey, oh. Bon, ça va, hein. Allez, je dis 3-4, levé, et tu lèves. Et tu lèves. C'est ça, je le dirai. Allez, reviens. Allez, remets court là. Tiens, mais c'est pas vrai ça. Alors, je dis doucement. Je dis doucement pour que tout le monde comprenne. Hein. Hey. 3. 4. Levez. Ah, c'est pas compliqué. Mais on va aller par là. Reposez. Ah, qu'on passe par là. T'as voulu être le chef. Je suis le chef. Tu décides, mais moi je te fais réfléchir un peu. Alors ça veut dire qu'on part sous côté. Mais on va où vous voulez. Allez, on va où vous voulez. Allez, refait. C'est moi la copine. Allez, on y va. Et en rythme. Oui, vous pouvez venir. Il y a la danse qui a dit avec sa musique. Et, c'est pas facile. Ils nous ont piqué la table. On va partir un peu. On va passer devant la danse, on regarde, on s'arrête et on regarde. On peut s'asseoir. C'est quoi les avants? La franchise anti panique, c'est fantastique. Eh oh, les rois de PLS, on est les sarcelles et thalès, la franchise mic. Allez, accroché là-haut, au dernier étage, pour construire une solution pour le rapatrier. Pour cela, vous allez imaginer le haut de l'immeuble. Monte en haut de l'immeuble. C'est un immeuble. Il est en haut de l'immeuble. Il faut absolument scier les draps, surtout les lits doubles, c'est-à-dire ceux du couple.
Du poing en bas. Attention, mesdames et messieurs, l'exercice est périlleux. Monsieur, venez nous aider. Bon, Jacques, c'est bon ? Il faut encourager le candidat au saut. Absolument. Vous appelez Jean-Louis, hein, parce que... Attention, on se met à ras de l'immeuble et on demande à la personne en danger. Pas trop. Quelqu'un vouloir. C'est bon, Jean-Louis, c'est bon. Hop, courage, pourquoi c'est bon ? Non, non, c'est bon. Monsieur, j'ai plus confiance en vous. C'est bon, là, ce qui se passe, là ? Oui, oui, bon, ça va. Et Robert, tu veux pas sauter ? Attention. Attention. Voilà, attention. Alors, attention. Sautez, monsieur. Sautez, monsieur. Sautez, monsieur. Il faut absolument trouver la personne qu'elle saute. Il y a le feu derrière vous. Sautez. Excellent. Oui, c'est ça. Vous seriez à ma place, hein ? C'est pas dangereux. Bon, les enfants, vous faites pas ça à la maison quand même. Alors, mesdames et messieurs, après cette démonstration assez surprenante, Vous pouvez vous reconfiner, les temps sont sur moi, je vous appelle, donc vous êtes de votre antenne. Là, vous vous trouvez ici, sous la table, vous vous allez, voilà, pour de la bouchée, vous vous penchez. Voilà, et donc nous sommes la croix, vous vous en prenez. Voilà. Eh oh, voilà la franchisserie. La franchisserie antipanique, c'est fantastique. Eh oh, eh oh, les rois de la PLS, on est des sincères, les talents de la franchisserie.